inspecteurs d'État, la grève se poursuit. Les inspecteurs d'État poursuivent leur grève. Au cours d'une rencontre avec la presse cet après-midi à Faravouj, ils ont souligné que le rapport de leurs activités a permis de constater que de nombreux détournements ont été faits dans l'administration au détriment de la caisse de l'État. En principe, les sommes détournées doivent être reversées dans la caisse de l'État. Mais le taux de recouvrement actuel n'atteint même pas les 1%. Écoutons les propos du président du syndicat des inspecteurs d'État. Pas très fidèle, pas par vous autres les journalistes, mais les gens qui ont lu les journaux. Par exemple, quand on nous dit ça va accroître encore les charges de l'État, écoutez, nous avons relevé que les arrêtés de DB qui permettent à l'État de récupérer les deniers détournés s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'ariens. Le taux de recouvrement n'atteint même pas 1% à ce jour. Donc, nous ne sommes pas là pour seulement dépenser et constituer des charges dépensières à plus, mais nous contribuons fortement à la rentrée des recettes à la caisse publique pour peu que chaque intervenant de la chaîne s'acquitte convenablement des responsabilités à eux assignées. Les malvenus, comme je l'ai exprimé à Malgache, il est vraiment malvenu et mal poli même. Quand quelqu'un qui a la bouche pleine se pavane, se permet de donner des leçons à la Lona, des contre-vérités d'ailleurs. Si au moins on disait vrai. Éditorial à Jean-Max, à Claude Maladji.